Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de Brocante. Donc j'ai trouvé environ 17 véhicules, un peu de tout, des bus, des camionnettes, voilà, un peu de tout, Majorette, Norev, Matchbox, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite par ce Bernard que j'ai acheté 2 euros. Donc il est en état impeccable, vraiment très joli. Il y a des anciennes roues, ouais, donc je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en termes de d'années. Made in France évidemment. Voilà, donc il est plutôt joli. Donc voilà, c'était sur un stand. Voilà, ce joli Bernard avec sa remorque. Alors je ne sais pas, pareil, je sais pas si c'est la vraie remorque. Voilà, dites-moi en commentaire. Voilà, il est plutôt sympa, hein, en jaune. J'aime bien. Je ne suis pas un grand fan des camions, mais celui-là il est joli. Allez, on continue avec ça. Donc un Majorette fourgon Made in France. Couleur commando, un peu armé, je l'ai pris direct. Je suis en train de rechercher un peu des véhicules de l'armée, là, des préférences. Préférence Majorette, bien sûr. Il n'y a pas les portières qui s'ouvrent derrière. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc, c'est sûrement normal, hein, j'imagine. Voilà. Donc, en super état, j'aime bien. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Alors, désolé pour la lumière, encore une fois de plus, hein. Assez dur ce matin. Voilà. Donc, très sympa, j'aime bien. Allez, ensuite on continue avec une Ford Sierra. Alors je l'ai déjà en bleu, mais bon allez, j'ai pris quand même, j'ai dit. En jaune c'est sympatoche. Je la vois pas souvent celle-ci en plus, donc je l'ai pris quand même. Ford Sierra, voilà, Made in France. Vous avez des portières ouvrantes. Plutôt sympatoche. Je trouve que le jaune ça lui va bien aussi, hein. Voilà pour ça. Ensuite, ça c'est un pack que j'ai trouvé à Brocante, j'ai acheté en magasin. Bon, je vous montre vite fait. Une Audi R8. Voilà, donc j'ai acheté 2 euros à Jiffy. Elle est très très belle hein, cette couleur. Alors, sur la caméra, vous verrez pas bien, mais c'est un bleu plus clair. Hein. On se rapproche plus du turquoise là, on verra pas très bien malheureusement. Voilà, pour ça. Ensuite, on continue. Retour à la Brocante. Donc j'ai trouvé ça, donc Bank Security. Alors cette fois-ci, il y a la porte complète. Et la protection complète, donc je suis content, je l'ai pris. Voilà. Parce que j'en avais un, il n'était pas complet, donc là c'est l'occasion. Voilà, donc je les ai payés entre 50 centimes et 1 euro les véhicules, hein, que vous verrez. Plutôt sympatoche. Ensuite, au hasard, on va prendre ça. Une petite Hot Wheels. Une mini break, c'est la première fois que j'en vois une, donc je l'ai pris. En plus, c'est une déco cool, hein. J'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, elle est un petit peu abîmée en termes de topographie, mais ça va. Elle est plutôt originale, je trouve, cette petite mini. Ensuite, un véhicule assez rare, une R5 Hot Wheels, assez ancienne. Voilà. Sur l'instant, j'ai pris. Par contre, elle a des petits problèmes pour rouler, donc il faut avoir au niveau du châssis. Donc c'est une Hot Wheels Renault 5. Ah, j'arrive pas à regarder, à voir la date, putain, on voit rien du tout là. Mattel. Attends, je regarde. Non, j'arrive pas à voir. 1982 apparemment. Voilà. Ensuite, on va prendre ça. Alors une Ford Thunderbird avec la déco de Driver 2. Vous savez, le jeu vidéo PS1 que je vais vous montrer juste après, je l'ai aussi. Voilà. Donc en état de jeu, mais bon, je l'avais pas ce modèle de voiture Majorette. Donc je l'ai pris direct. Je crois que c'était 1 euro, 1 euro. Bon. Donc Driver 2, je l'ai. Hein, c'est celui-là sur PS1. Vous voyez. Un excellent jeu à l'époque hein, de course. Vous pouvez sortir de la voiture et voler des voitures. Je possède aussi, entre parenthèses, Driver 1. Vous savez que je suis quand même un gros collectionneur de jeux vidéo, donc voilà. N'hésitez pas à voir ma chaîne principale, hein, Seal Gaming. J'ai pas mal de vidéos de jeux vidéo. Voilà pour ça. Ensuite, on continue avec une Norev. Donc une Citroën C2 Tuning. Voilà, très sympa en jaune. J'aime bien. Donc c'est une Norev, tuner. Voilà. Vraiment stylé, j'aime bien. Voilà pour ça. Ensuite, on continue avec une Citroën Xara WRC ou Kit Car, je ne sais pas. Bah, je l'ai pris direct. Hein. Je ne l'avais pas ce modèle.
Vraiment très belle. C'est une nos rêves. Non, c'est la double RC, hein. 300 chevaux. Sébastien Loeb l'a conduite, donc il n'y a même pas hésité, quoi. Allez, magnifique. Très content de l'avoir trouvé celle-ci dans un bac avec plein d'autres jouets. Écoutez, ça c'est pour moi. Très très belle, hein. Vraiment. Une beauté. On continue avec une Audi TT, ça tombe bien, je la cherchais. En état impeccable, c'était des vieilles dames qui vendaient ça avec d'autres véhicules. Alors il y avait gris aussi, mais rouge. Elles étaient toutes les deux en état impeccable. J'ai pris la rouge. Je trouve que ça flash mieux, ça fait plus classe. Mais la grise était belle aussi. Hein. J'aurais peut-être dû prendre les deux. Bon, c'est pas grave. Voilà, du TT. Donc j'avais la cabriolet, j'ai pas la coupée. Ça tombe bien. C'est impeccable. Donc très content de l'avoir. C'est une majorette. Audi TT, voilà. On dira que la collection Audi. Voilà. Vraiment superbe. Vraiment en état impeccable. Hein. Vraiment, c'est super. Ensuite, une petite Made in France. Alors ça, je sais pas c'est quoi comme véhicule. Une Chrysler peut-être. Je sais pas du tout. Pompier. Donc j'ai acheté dans un stand d'un papy. 1 euro. Donc ouais, je l'ai pris quand même. Les roues sont bien. Donc voilà, je l'avais pas ce modèle. En bon état du moins. Voilà. Ouais, plutôt correct. Ah, désolé encore pour la luminosité, là, c'est très très pénible. Ensuite, un majorette Ford. Ford Echo No Line. Voilà. Complet. Avec ses portes. C'est pour ça que je l'ai pris, sinon je l'aurais pas pris. Plutôt sympa, j'aime bien. La taille rouge en plus. Voilà, donc. Très propre, en excellent état. Voilà. J'aime bien ce petit truc surélevé là, ça fait stylé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment pas mal celui-là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris la caméra avec moi. J'ai pas posé. J'espère que ça vous ira. Ensuite, un Renault Kangoo de couleur verte. Pas très commun, j'ai l'impression, celui-là, mais bon. Voilà, dans un stand, une caisse de jouets. Donc c'est un nos rêves. Renault Kangoo. Ah, il manque le gyrophare, hein, à mon avis. Bon, pas grave. J'aime bien la couleur, en fait. C'est ça qui m'a fait décider à la prendre en vert. Comme ça, c'est assez étrange. Mais bon. Il est pas mal. Alors, soit je trouve, j'essaierai de mettre un gyrophare, soit je mettrai un petit autocollant, on verra bien. J'aime bien celui-là, j'aime bien. Ok, ensuite, un majorette. Donc un Toyota Yas, IAS, je sais pas quoi là. Dans un stand où c'est que j'ai trouvé un bus. Vous allez voir après. J'aime beaucoup, il est vraiment stylé. Avec sa déco manga là. Oh putain, oh, rien. Voilà, donc c'est un Majo. Je sais pas si vous verrez, désolé. Vraiment, la déco est classe. J'aime bien. Enfin, je nettoie les roues d'ailleurs. Vraiment un super état, hein. Donc 1 euro celui-là. J'ai pas vu souvent celui-là. Hein. Ensuite, un bus, majorette. Je regardais un petit peu, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, il est bizarre celui-là. Ouais, c'est bien majorette, regardez. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas très commun. Enfin, je l'ai rarement vu celui-là, donc plutôt sympa le bus. Dédicace à bus Miniacris. Hein. Dis-moi s'il est sympa celui-là, si tu le trouves classe. Moi j'aime bien en tout cas. Il est un peu petit en termes de taille, mais bon. J'aime bien. En parlant de bus, regarde ce que j'ai trouvé. Un Express Tour San Francisco que j'ai acheté 2 euros, je crois. C'est un Mercedes. En bon état, hein, j'ai pris. Voilà. Alors moi j'y connais absolument rien en termes de bus. Alors là, vraiment un Welly. Voilà. Mercedes-Benz. 303, bon voilà. Mais j'ai trouvé bien, j'ai trouvé joli, en blanc et bleu, avec les vitres bleues, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Je sais pas s'il y a des trucs qui s'ouvrent, j'ai l'impression que si, ouais, si ça doit s'ouvrir là. Ouais, si ça s'ouvre. Voilà, il est pas mal, je trouve. Un petit Merco. Alors dis-moi, bus Miniacris, si tu regardes la vidéo, si tu trouves sympa aussi celui-là. Allez, on termine par deux véhicules assez intéressants. En majorette, de taille supérieure. Bon, d'habitude, je prends pas les gros véhicules, mais bon, allez.
Il n'y avait pas grand-chose dans cette brocante, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai pris ça, je sais pas du tout c'est quoi. Majorette, oui, mais Made in France, mais je sais pas du tout c'est quoi le modèle de camion, donc dites-moi en commentaire. Ah, je crois qu'il manque le rétro, ouais, dommage. Ah non, je crois qu'il est enfoncé dedans, enfin je sais pas, on verra bien. J'essaierai de l'enlever. Voilà, donc c'est un camion de course, apparemment. Hop. Star Wall, je sais pas si ça vaut quelque chose, hein, dites-moi. On a des experts, hein. Moi, je suis un noob. Voilà, j'aime bien, il est stylé. Et enfin, un très joli Range Rover de chez Majorette. Échelle 1,36. Allez, je l'ai pris. Ça fait un couleur un peu voilà, baroudeur, j'aime bien. Donc, d'habitude, je prends pas, comme j'ai dit, les gros véhicules, mais bon. J'ai une petite exception, voilà. Plutôt joli, hein. J'aime bien ce petit range. Alors, le Focus, merci. Voilà, vous avez les portières ouvrantes, l'intérieur est gris. Par contre, il y a une espèce d'ouverture sur la vitre arrière, vous voyez, je sais pas si c'est normal, certainement. Il y a peut-être un truc dessus, mais bon. Je sais pas du tout. Pourquoi il y a ça, là? Bonne question. Ah si, d'ailleurs, un truc, à mon avis, hein, qui manque. Bref, c'est pas grave. Je trouve stylé. Allez, le Focus, putain, mais c'est un truc de fou, hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein, ma petite trouvaille du week-end. Quelques modèles sympatoches, pardon. Dites-moi lesquels sont vos préférés. Bon. Je suis assez fan du Bernard Jaune, j'aime bien. Et je trouve qu'il est assez stylé. Et sinon, voilà, globalement, assez satisfaisant. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao. Et rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos.